Nous a conviés en Italie à la présentation de la gamme Taycan en 2023 ainsi que de la nouvelle plateforme PPE du futur Macan électrique. Le programme prévoyait aussi deux tours Canon en tant que passagère à bord d'une voiture de course, la GT4e Performance. Une fois n'est pas coutume, c'est à la première personne que je vais vous rendre compte de cette expérience hors du commun. Avec ça, ligne droite de bonne longueur, deux freinages puissants et des virages lents ou rapides. La piste du Porsche Experience Santé de Francie à Corta près de Milan est un terrain de jeu idéal pour la GT4E Performance. J'aurais adoré la conduire, mais c'est en tant que passager que j'ai pu découvrir ce que cela fait de monter dans une voiture qui accélère presque aussi fort qu'une Formule 1. En effet, l'auto est capable de passer de 0 à 100 km par heure en 2,3 secondes et atteint 200 km par heure en 5,6 secondes. Puisque la batterie est logée devant le siège baquet du passager. Entrer dans le véhicule n'est pas chose aisée, surtout avec la cage de sécurité. Après quelques contorsions, je me retrouve calé dans un siège au récaro très enveloppant. Un mécanicien serre les sangles du harnais à quatre points qui m'en le haut des cuisses et des épaules. Klaus Bachelet, pilote autrichien qui court dans des épreuves d'endurance, m'explique qu'il va faire le premier tour en mode course 603 chevaux, puis le second en mode qualification avec toute la puissance disponible. 1073 chevaux. Au démarrage, on n'entend aucun bruit de moteur, juste le sifflement de la pompe qui fait circuler l'huile du système de refroidissement. Les mécaniciens enfilent les roues sur leurs axes et les serrent avec une grosse visseuse portative. Le clic caractéristique d'une clé dynamométrique achève la préparation de la voiture, qui retombe au sol lorsque le vérin qui la maintenait en l'air se rétracte. La GT4 quitte le garage et atteint instantanément les 60 km par heure autorisés dans la ligne des puits. Sans le moindre isolant phonique, le bruit du moteur électrique envahit l'habitacle. Je me demande à quoi va ressembler l'accélération une fois arrivé sur la piste. Feu vert, le pilote accélère à fond. La poussée est foudroyante, à tel point que mon souffle se coupe et que mes yeux se ferment par réflexe. J'ai eu la chance de conduire beaucoup de véhicules très puissants, qu'ils soient à essence ou électriques. Mais rien n'égale cette force qui me plaque au siège. La Porsche TK en Turbo S 2023, conduite quelques heures auparavant, m'a semblé lente à côté de cette GT4. La voiture se rue vers le premier virage à une vitesse folle. Je sens mon pied gauche faire un mouvement réflexe dans le vide pour freiner, alors que celui du pilote demeure enfoncé sur la pédale de droite. La vitesse de passage en courbe est ahurissante et l'appui aérodynamique phénoménal. Les courbes s'enchaînent et rien ne semble pouvoir perturber cette GT4. Elle grimpe sur les vibreurs sans sourciller et demeure rivée au sol dans les virages rapides. Dans une longue courbe à gauche, même un freinage appuyé avec les roues braquées ne provoque pas la moindre réaction du train arrière. Au deuxième tour, le pilote enclenche le mode destiné aux qualifications. Avec 400 chevaux de plus à gérer, la GT4 s'extrait encore mieux en virage. A cause de cette cavalerie supplémentaire, le train arrière s'est légèrement dérobé à deux reprises. Mais rien pour effrayer Klaus Bachelet, qui remet la voiture en ligne grâce à un léger contre-braquage. Après deux tours, aussi rapides qu'intenses, il est déjà temps de rentrer au puits. Pour Porsche, le but est de produire une voiture de course électrique destinée aux débutants ou aux pilotes amateurs, les fameux « gentlemen drivers ». L'idée de départ n'est pas de créer une bagnole trop pointue à conduire, mais un véhicule rapide qui soit capable de pardonner les erreurs du châssis de la Porsche 718 Cayman GT4 que vous pouvez acheter chez le concessionnaire. Les ingénieurs ont rigidifié le tout, notamment grâce à l'emploi d'un arceau cage. Sachant qu'il s'agit d'un véhicule à essence à la base, la batterie a été divisée en trois blocs distincts, qui ont été placés le plus judicieusement possible. Avec une répartition de poids de 48 à l'avant et 52 à l'arrière, la mission est accomplie. On retrouve. Un premier bloc de batterie à l'avant, le second sur le sol du côté passagère et le dernier derrière les sièges. La capacité totale s'élève à 80 kWh, dont 65 utilisables, ce qui permet de rouler à fond pendant 30 minutes en course, ou 17 à 18 minutes en qualification. Grâce à une recharge très rapide, 900 volts, il est possible de passer de 5 à 80% de la charge en 15 minutes seulement. Pour éviter une baisse de performance à cause de la chaleur extrême dégagée par le groupe motopropulseur, Porsche a conçu un système inédit. Le moteur, la batterie et l'onduleur sont tous refroidis par le même circuit. Porsche n'utilise pas de liquide, mais une huile spécifiquement développée pour la voiture. Une pompe tournant à 13 000 tours par minute se charge de la faire circuler, adéquatement, tandis qu'un gros radiateur situé à l'avant permet de refroidir le tout. A l'inverse, il suffit de placer une source de chaleur face au radiateur quelques minutes pour échauffer l'huile avant d'envoyer le bolide en piste. Deux moteurs électriques, un paresseux, déploient une puissance totale de 603 chevaux en mode course et 1073 en mode qualification. Contrairement à la TK1, il n'y a pas de boîte de vitesse dans la GT4E Performance. Selon les ingénieurs consultés sur place, les moteurs employés sont si performants qu'ils rendent cet ajout inutile. D'autant plus qu'un rapport fixe est moins lourd qu'une boîte de vitesse. Grâce à des palettes fixées de part et d'autre du volant, le pilote peut moduler le couple des moteurs à sa guise dans une proportion de 0 à 100%. Sur une piste glissante, plus de couple sur le train avant va améliorer la tenue de route, alors que sur un sol sec, le couple envoyé vers l'arrière la rend plus efficace et moins souvireuse. Un réglage très pratique, que l'on peut modifier en temps réel, et qu'il est impossible à obtenir dans une voiture à essence. Voilà qui pourrait radicalement changer la manière de piloter une auto de course dans les années à venir. Dernier point important, l'absence de moteur à l'arrière a permis aux ingénieurs de maximiser la taille du diffuseur et donc d'améliorer l'appui aérodynamique. Alors qu'une 911 est limitée à cause de son flacis situé à l'arrière, la GT4E Performance dispose d'un niveau de déportance plus élevé. Et avec un poids contenu à 1550 kg, elle n'est pas beaucoup plus lourde qu'une voiture de course à essence. Curieux de savoir comment la GT4 se compare à d'autres voitures de course vendues par Porsche, nous avons posé la question. Et au risque de vous surprendre, la voiture est capable de réaliser des temps similaires à une Porsche 911 GT3 Capital si le mode qualification est activé, ces temps se situent entre une 911 RSR et une GT3 rue au terme de 7. Expérience riche en sensations, je dois vous avouer que je n'ai qu'une envie, prendre le volant de cette GT4E Performance.